Pourquoi est-ce que les milices néo-nazies très actives en Ukraine, c'est un pays qui a malheureusement une tradition d'alliance avec Hitler et les nazis et de massacres contre les juifs, les tziganes, les russes, etc. Pourquoi, sur Facebook, jusqu'au 23 février de l'année passée, Azov, le fameux régiment, il était interdit d'en parler, c'était des néo-nazis, on ne pouvait pas faire leur promo. Et le 24 février, tout ça change et on peut parler de Azov. Et oui, c'est des bons nationalistes, un peu radicaux, un petit peu, etc. Mais c'est des gens qui défendent leur patrie. Donc, en posant des questions comme ça, on peut arriver à faire réfléchir